Salut YouTube, on est reparti pour AD4. On va continuer ce jeu d'une qualité qui n'est plus approuvée. Tout le monde s'est rendu compte que c'était juste incroyable, génial. Tout à fait, oui, vas-y. Alors, en off, je suis parti sur les méandres d'Internet en quête de savoir et de connaissances. Mais surtout, en quête des CD manquants d'AD4. En vrai, je les ai quasiment tous trouvés, sauf l'anglais 4ème, qui reste apparemment totalement introuvable, l'anglais 4ème. L'anglais 4ème, je ne sais pas où il est. Personne ne sait où il est, j'ai fouillé internet. Un CD perdu, un CD malheureusement perdu par l'humanité. Peut-être que quelque part, un daron l'a chez lui, et il n'est pas au courant que des gens sont à sa recherche. c'est vachement possible. Et ben c'est parti pour AD4. Donc aujourd'hui, on va voir attaquer l'anglais. L'anglais CE1. Donc grosse folie. Pour me rejoindre, on passe, on connaît. Directement. Très bien. Je m'appelle Carpentier. Tiens, te voilà. Oui. Ah, ça tombe bien. J'avais justement envie de te voir. Ah bah, nickel. Eh bien, est-ce que tu aurais quelque chose? Non, j'ai rien à te dire, je veux aller là-bas travailler. Ah, j'aime quand tu as l'air décidé. Oui. Allons-y. Je suis méga chaud. Donc on y va parce qu'on a encore trois petits mini-jeux à débloquer. Pour aller choisir une matière ou bien le téléphone à droite pour aller faire une découverte sur l'internet. Sur l'internet. Ouais, mais non. Sur nouvelle application ou sur la matière. Donc on avait fait tout ça. On n'a pas fait géographie parce que géographie, apparemment, c'est le géographie collège. La géographie école pour les enfants n'existe pas. Donc on le fera quand on sera au collège. Par contre, normalement. Que tu changes de CD. Oh putain, je me rappelle plus. Comme ça, c'est ça? Yes. Et donc, choisir l'image de disque, et là, grosse folie. Oh, j'aurais dû venir les copier là. Oh. Attendez, regardez, on va faire paf. On va venir là. Paf, paf. Je suis très mal organisé, ok? C'est pas. Attendez, on va faire annuler. Attendez. Mon organisation est terrible. Document, Windows XP. Paf. Est-ce qu'il fait encore une copie d'une copie, ce connard? Je tente des choses, les enfants, je tente des choses. Ouais, je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Arrête-toi. Durée. Hop, 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 hop. Et là. Paf, incroyable. Donc, anglais. Regardez ça, j'ai fait un dossier anglais, n'est-ce pas bien fait? Et donc, anglais, c'est A, j'imagine que c'est lui qu'il faut choisir. Il faut que tu cliques sur nouveau ou sur la matière que tu veux étudier. Tu vois, c'est simple. Anglais CE, eh bien j'ai envie de vous dire, c'est parti. Bien, découvrons ensemble cette nouvelle application. Oh là là, c'est parti. Tellement heureux, tellement Je heureux. Te propose de regarder les titres des chapitres. Bah avec plaisir. Quel chapitre choisis-tu? Ah, parler de soi, des autres, décrire, agir, film interactif et chansons et comptines. Et film interactif, c'est là que la folie va arriver. Oh, vous verrez. Oh là là, ça. Ah, rien que de m'en rappeler, j'ai les yeux qui pleurent. Oh, c'était formidable. Des acteurs, excellent mais choix. Des acteurs, incroyable. C'est de la folie, c'est de la folie. C'est pas prêt. Clique sur l'icône OK ou tape la touche Entrée pour faire le premier exercice ou clique l'exercice de ton choix.
Putain, on va le voir très bientôt, relire dire de fermer sa gueule. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Plus d'une semaine, mais déjà, j'en peux plus. Demandez-moi donc quelqu'un. C'est Écoute parti. attentivement la question, puis clique la bonne réponse. D'accord. What's your name? What's your name? I'm Peter Pan. I'm Peter Pan. Ça me paraît très bien. Parfait. Bien. Ah. Quelle était ta question? Écoute attentivement Oui. la question, puis clique la bonne réponse. What's your name? I'm Steven. I'm Steven. Ah ouais, c'est Steven, les gars. Bien. What's your name? I'm Robin Hood. Robin des Bois, les gars. Incroyable. Robin Hood? I'm Robin Hood. What's your name? I'm Alice. I'm Alice. Bien. Yes. What's your name? I'm Shirley. I'm Shirley. Très juste. Crois que c'est Steven et Shirley, les héros. Cette question Les était héros la du film. Vous dernière. allez voir, c'est de la folie. De la folie. Tu es épatant. C'est maître. Je sens que toi, tu n'as peur de rien. Tu Non. fonces et tu réussis. Merci. Voici ton nouveau score. Putain, 530, yes. Recommençons. Et bah, c'est reparti. Les jouets. Sélectionne le jouet demandé. D'accord. Find the doll. C'est ça. The doll. Ah bah en plus il le répète au cas où tu sois trop con. Excellent. Find the lorry. The lorry. C'est ça. The lorry. The lorry. Yeah. Très bien. Find the robot. The robot. Excellent. Find the bike. The bike. On s'en sort C'est bien. juste. Find the ball. The The ball. ball. Très bien. Yes. Et c'est C'était la gagné. dernière question de l'exercice. Super. Putain, tout ça pour pouvoir jouer à des mini-jeux. Hein. Oh là là. Donne-moi un jouet. Ramasse le jouet qui t'est demandé et donne-le à Ribi. À Ribi. Give me the car. D'accord, tiens. Très bien. Give me the doll. Tiens. Très juste. Give me the robot. Tiens, je... Tiens. En plein dans le mille. Give me the ball. The ball. Tiens. Très juste. Give me the lorry. Tiens, the Larry. Bien. C'était la La dernière dernière question question de pour... l'exercice. Ah, de l'exercice. Pardon. Ce... Très bien, parfait. Classons les jouets. C'est parti. Place les C'est toi, trois j'ai jouets demandé sur les demandés serviettes. sur les serviettes numérotées de 1 à 3 en suivant l'ordre de l'énoncé. The ball, the car, the bike. The ball, the car, the bike. Excellent. Bike, the car, the plane. The bike, the car, the plane. Très bien. The ball, the bike, the car. Ball, bike et car. Yes. En plein dans le mille. Trop fort. The robot, the ball, the lorry. The robot, the ball, the lorry. Super content. Très content Bravo! d'avoir un camion cet homme. The car, the ball, the lorry. The car, the ball, the lorry. Yes. Bravo! Bravo, merci. Merci beaucoup Plus de questions pour pour cet cet exercice. exercice.
Très bien. Tu es... Je suis épatant. Saluez, se présenter, c'est reparti. Trouve la réponse logique. Hello. Nice to meet you. My name is Shirley. Nice to meet you. Nice to meet you me paraît pas mal. C'est juste. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ah, moi aussi, nice to meet you. C'est juste. Hello, Stephen. Good morning. Thank you. Bah, good morning. Morning. Tu as compris. J'ai compris. Good morning. Hello. Oui. Goodbye. Goodbye. Très bien. Parfait. Goodbye. 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 Cette question était la dernière. Yes. Identifier un objet. Sélectionne le haut-parleur qui donne une réponse exacte. D'accord. What's this? Une boule. It's a bike. Non. It's a ball. Oui. Bien. What's this? It's a lorry. It's a ball. It's a lorry. Oui. Bravo! What's this? It's a plane. It's a lorry. It's a plane. Correct. What's this? It's a doll. It's a lorry. It's a doll. Vous avez vu, c'est toujours celui qui est là. Tu le dernier, compris. On va essayer de prendre des rides de celui-là. What's this? Ce car. It's a plane. Et voilà, évidemment. It's a lorry. Ah putain, it's c'est un petit évidemment, ouais. Oui. En 4 questions, c'était celui-là, et le dernier coup, c'est pas celui-là, ça m'énerve. Cette question était la dernière. Très bien. Hello, my name is Ribby. Oh putain, ça y est. Ça y est, ça commence. Complete the dialogues or answer the questions. Oh là là. Oh là là. Putain. Ah, c'était de la folie. Hein. Faut compléter les dialogues ou répondre aux questions, hein. Ça rigole zéro. Oh la folie, hein. Oh là, tellement de bons souvenirs. Hello. Hello. Eh ben réponds oui. Hello. Regardez, c'est Shirley. Oh. Hello. 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 My name is Shirley. Nice to meet you. What's your name? I am Ribby the robot. My name is Ribby. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. This is my cousin, the lorry, and this is my sister, the car. Son cousin le camion et sa sœur le car. Interesting. Et sa sœur la voiture. And these are my mother and my father. They are my parents. And this is my brother. Hello. Steven. Nice to meet you. Steven. I am Ruby the robot. Nice to meet you. What's your name? I'm Steven. What's this? What's this? Oh, quelle angoisse, hein. Quelle angoisse. yes, what's yes, this? What's this? Look. Oh mon dieu. Tain. Oh, oh it is chocolate. Mais c'est du chocolat. Chocolate. Incroyable. Do you like chocolate? Ah oh. My friend, I like chocolate too. Oh génial. Look, on aime tous le chocolat. This ball is made of chocolate. All my toys are made of chocolate. Et non, tous ces jouets sont faits de chocolat, la fin. Et moi, il y a une question qui m'interroge. Parce qu'il y en a des milliards, hein. Je vous préviens, il y en a des milliards de petits films comme ça en anglais. Avec des acteurs dignes de ce nom. Et moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parce que pour plein d'enfants, ils sont célèbres. Hein. Pour plein d'enfants, pour plein de gens de mon âge, ils sont célèbres. C'est ces exercice. Gens.
Alors, c'est ça va y manquer. Hein. Je suis très content de les avoir revus. Tu as bien mérité des points supplémentaires. Un gros souffle l'anglais. Putain. Tous les exercices de ce sous-chapitre. Très bien, continuons. Reconnaître les jouets. Clique sur le jouet qui te salue. D'accord. Good morning. I'm the bike. Find me. Bah, c'est toi. Yes. Correct. Hello. I'm the lorry. Find me. Correct. Hello. I'm the lorry. Find me. Encore. Bien. Good morning. I'm the car. Find me. En plein dans le mille. Good morning. I'm the doll. Find me. Correct. Plus de questions pour cet exercice. Parfait. Incroyable. Tu es en... Putain, vivement qu'il revient un film parce que c'est quand même vraiment trop bien. Écoute bien la question. C'est vraiment trop bien. Sélectionne le personnage qui répond à la question. Hello. D'accord. Hello. Hello. C'était pas une question. Ah, j'ai pas écouté. Écoute bien la question. Sélectionne le Je vais aller trop vite. Qui répond à la question. What's your name? My name is. I'm Alice. I'm Alice. C'est très bien ça. Bravo. What's your name? I'm Steven. C'est juste. What's this? It's a bike. It's a bike. Bien. What's this? It's a doll. It's a doll. Oui. Steven avait une classe quand même. Fin de l'exercice. Steven, il est beaucoup trop stylé. Super. Et c'est what bien. Au suivant. Hello, my name is Ribby. Putain, look c'est reparti les gens. C'est reparti. Or answer the questions. Look at this scene and complete the dialogues or answer the questions. Incroyable. Oh, hello. Eh ben c'est reparti. Hein. Hello, j'ai l'impression hello. De faire exactement le même truc, mais bon, c'est pas grave. Oh putain, ça y est, c'est buggé. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Regardez, this is my cousin, voilà, the lorry. Ce cousin de camion. And this is my sister, the car. Et sa sœur la voiture. Incroyable. Interesting. And Shirley these nous are montre my mother and my father. Sa maman et son papa grâce à son machin incroyable. They are my parents. And this is my brother. Hello. Nice to meet you. I am Ruby. Ah, le frère qui a la classe. Nice c'est un cowboy. Regardez. Que... What's your name? Your name? I'm Steven. What's this? Ta-da-da-da. Putain, c'est vraiment de la merde. Ah, c'est. Non, c'est trop bien. C'est du génie. C'est du putain de génie. Oh mon dieu. Mais c'est du chocolat. It is chocolate. Bravo. Chocolate? Do you like chocolate? Ah, ouais. My friend, I like chocolate too. Look, this ball is made of chocolate. All my toys are made of chocolate. Putain, le bruit du robot. Et voilà. Quelle angoisse. Bravo, un j'ai travail. Été super fort, merci, merci, merci. J'ai hâte de recommencer et d'avoir une autre scène. Les chiffres. Le chiffre demandé. Find three. 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 C'est juste. Find four. Four. Excellent. Find nine. Nine. Très juste. Find twelve. 12. Oui. Find 11. 11. Excellent. Cette question était la dernière. C'était facile. Travail remarquable. Merci. Regardons ton score.
Et c'est reparti. C'est reparti. Compte les jouets. Compte les objets. Clique le haut-parleur qui indique le nombre d'objets dessinés. Ah, d'accord. 8 cars. Non. 2 cars. Non. 3 cars. Oui. Correct. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 bikes. 11 bikes. Oui. 9. 3 dolls. 9 dolls. Parfait, 9 dolls. 6. 5 robots. 9 robots. 6 robots. Très bien. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 balls. Parfait. Bien. Yes. Bien. Oui. Et voilà, des points en plus, on adore ça. Des chiffres et des jouets. Mets dans la boîte le nombre de jouets qu'on te demande. D'accord. Give me 3 dolls. T'en veux 3. Paf. 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 Excellent. Give me 2 planes. Paf. Paf. Bravo. Give me 2 balls. Paf. Paf. Correct. Give me 3 balls. Paf. 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 Très juste. Give me 4 cars. D'accord. 1, 2, 3, 4. 4, voilà. Parfait. Très bien. Fin de l'exercice. Exercice. Yes, on continue. Demandez l'âge de quelqu'un, c'est parti. Clique sur le personnage qui répond à la question de Mr. Bird. How old are you? I'm 11. Parfait. Tu as compris. How old are you? I'm 9. Parfait. Correct. Je suis 9. How old are you? Quel âge es-tu? I'm 12. Je suis 12. Tu as compris. How old are you? Quel âge es-tu? I'm 6. Je suis 6. Très bien. How old are you? I'm 5. Parfait. Oui. Incroyable. Vivement qu'il y ait un film. Oui. Oh putain, oui. On arrive au dernier. Ah non. Presque le dernier. Oh, how old are you? Ça va être de la folie. Question-réponse. Sélectionne le bon personnage. How old are you? I'm 8. Putain. Et là, c'est reparti. Hein. En plein dans le mille. How old are you? I'm 3. Excellent. What's your name? Oh, le petit piège. I'm Steven. Correct. What's this? It's a doll. It's a doll. Oui. What's your name? I'm Shirley. Parfait. Bravo. Fin de l'exercice. Énorme. Et enfin, le moment qu'on préfère, c'est reparti pour un film. Look at this scene and complete the c'est dialogues parti. Or answer the questions. How old are you, Steven? I am 1 year old. Très bien. And you, Curly Shirley, how old are you? I am 2 years old, even Steven. I am 3 years old. I am 3 years old. Quel fun. How old are you? Oh, apparemment, 4. I am 4 years old. 4 years old. I am 4 years old. Steven, how old are you? Steven, how old are you? I am 5 years old. Oh.
Putain, ça rend bien. Voilà. Avec le son décalé, en plus, c'est vraiment super agréable. Steven, I am 6 years old. And you? How old are you? Ouais, calme-toi. Calme-toi, quand même. Seven, tu vas faire quoi? I am 8 years old. I am 9 years old. I am 10 years old. Ribby, how old are you? 8 years old, 9 years old, 10 years old. Or 11 years old. Dear friends, there is no age for loving chocolate. Yum. Mentalement, c'est éprouvant, je l'ai dit quand même. C'est quand même pas facile. Oh là là. Ouais, c'était super. Merci beaucoup. Incroyable. Page 2. Tire son âge. On continue. Additionnez les chiffres de 1 à 10. Sélectionne le haut-parleur donnant le résultat de ces additions. D'accord. 2 dolls and 2 dolls are. Pas fort. 4 dolls. Yes. Bravo! 3 planes and 3 planes. 6 planes. Oui. 3 robots. Putain, et j'arrive à les choper du premier coup, je suis trop fort. Celui-là. Perdu. Celui-là. 3 planes. Ok, celui-là, très bien. 10 planes. Dommage. Échec, évidemment. Tu as compris. 5 lorries and 7 lorries. Oh là là, mais faut compter là. Attendez, ça en fait 12. 11 lorries. 10 lorries. 12 lorries. Correct. Parfait. Tu es sûr? Se présenter. Retrouve le personnage qui se présente et dit son âge. I'm Henry the lorry. Je suis Henry le lorry. Ah! Bah c'est lui. En plein dans faut qu'on écoute, je pense. I'm Shirley. I'm 8 years old. Shirley, qui a 8 ans. Elle est là. C'est juste. My name's Steven. I'm 7 years old. Parfait. En plein dans le mille. I'm Jessica the car. I'm 10 years old. Jessica la voiture qui a 10 ans. Très bien. My name's Shirley. I'm 8 years old. De nouveau Shirley qui a 8 ans. Très bien. C'est juste. Parfait. Cette question était la dernière. Énorme. Continue. Vu qu'on est au niveau d'un film, je vais faire un test. C'est parti. Car pour j'ai tendance un à dire chapitre. Que peut-être. Quoi? Oui, je veux. Oui. Ah. Très bien. Arrête de me faire du mal, Adi. Laisse-moi m'en aller. Eh bien, quitte. J'ai tendance à te dire que peut-être. Peut-être qu'il faut que je me mette là, en mode de compatibilité pour 98. Je te laisse à tes occupations. À bientôt, moi. Car peut-être que ça dégonne parce que à ce moment-là, ça n'existait pas. Voilà, ça marche ici. Paf. Ok. On est reparti, ne vous inquiétez pas. Pour me rejoindre direct, dépêche-toi. Je t'attends pendant que tu changes de CD. Ah oui, du coup, oh, insupportable. Hop, école. Je dois l'avoir quelque part par là. Bah alors ? Ah voilà. École CD1. Oui, parfait. Hey, j'ai douté. C'est parti. Eh bien voilà, il faut que tu cliques sur nous. Vas-y, anglais. À tout de suite. Change de disque. Paf. Mais tu es déjà venu dans cette application. Bah oui, mais j'ai pas fini. Quel chapitre? Bien. Parlez de toi, bien. On continue. Tu as réussi.
J'ai réussi à cliquer au bon endroit, c'est ça qu'il allait me dire. How old are you? C'est parti. Look at this scene and complete the dialogues or answer the questions. Ah, vous avez vu? On a récupéré la synchro là. Peut-être que la compatibilité Windows 98, je crois que c'est bon ça. Ça marchait bien l'euro parce que en fait XP existait à ce moment-là. Vous savez comment il y avait l'anglais et tout? Et ben XP n'existait pas encore. Donc je dois me mettre en compatibilité 98. Je pense qu'on a résolu tous nos problèmes sur Adi, désormais. Ça va être beaucoup plus agréable pour tout le monde. Putain, lui enterré dessus. Salaud. And how old are you? Eh ben, I am 4 years old. Clique la réponse de ton putain, choix. Putain, je me suis loupé, pardon. I am 4 years old. Steven. Steven, how old are you? I am 5 years old. Oh. Ah non, le son s'est redécalé. Bon. And you, curly Shirley. Even Steven, I am 6 years old. And you, how old are you? Ah, elle est méga vénère. J'ai 7 ans, tu vas faire quoi? I am 8 years old. I am 9 years old. I am 10 years old. Ribby, how old are you? 8 years old, 9 years old, 10 years old. Oh. For 11 years old. Dear friends, there is no age for loving chocolate. Yum. Il n'y a pas d'âge pour aimer le chocolat, il dit. C'est vrai, tout à fait. Eh ben, c'était vraiment super. Merci. Et voilà, trop l'exercice bien. Est fini. Ouais, eh ben, oui, tant mieux. Tant mieux qu'il soit fini. On se sent tous beaucoup mieux. Le vêtement. Écoute le nom de chaque vêtement. Find the pair of shoes. Pair of the shoes. Pair of shoes. Oui. Find the shirt. A skirt. Ah, the shirt. A shirt. Pardon. Très bien. Find the jumper. Jumper. A pair of trousers. Ah, c'est ça le jumper. A jumper. Oui. Voilà. Find the hat. A hat. Bien. Find the pair of trousers. Ici. A pair of trousers. Une paire de pantalons. Bravo. Yes. Fin de l'exercice. Ils sont bizarres, hein, les Anglais. Très bizarres. Donne-moi un vêtement. Ramasse le vêtement qui t'est demandé et donne-le à Ribby. D'accord. Give me my trousers. Tiens. Bravo! Give me my dress. Tiens. J'ai dit tiens. Bien. Give me my skirt. Tiens. Très bien. Give me my socks. Tiens, tes chaussettes. Excellent. Give me my hat. Tiens, ton chapeau. Tiens, j'ai dit. Voilà. Bien. Fin de l'exercice. Eh ben, quel gros soulier. Oui, du bon travail. Merci. Regarde, ton score augmente. Oh. Il est temps d'avancer. On continue. Chaud ou froid? Sélectionne le bon dessin. It's hot. Et ben ça. Très bien. It's hot. Tu as compris. It's cold. It's cold. En plein dans le mille. It's hot. Très bien. It's cold. C'est juste. Parfait. Plus incroyable. De questions pour cet exercice. Énorme. Nickel. Décrire de la sensation.
regarde la scène et sélectionne la phrase qui convient. D'accord. Ah, il est content. I'm hungry. Non. I'm angry. Non. I'm happy. Oui. En plein dans le mille. Ah, il a faim. I'm hot. I'm hungry. Oui. Il a chaud. I'm hungry. I'm hot. Et là, très juste. Il est content. I'm thirsty. I'm happy. C'est juste. Il est content. I'm cold. I'm hot. I'm alright. Oui, il est alright. I'm alright. Oui. C'était la dernière question de... Parfait. Compréhension. Écoute chaque dialogue et sélectionne celui qui correspond à la situation. D'accord. Are you happy? No, I'm not. I'm very sad. Are you angry? Yes, I am. Are you happy? No, I'm not. I'm very sad. Ouais. En plein dans le mille. Très bien. Are you hungry? Yes, I am. I'm very hungry. Ah, il a très faim. Tout à fait. Correct. Are you cold? Yes, I'm too cold. Are you sad? No, I'm all right. Très juste. Are you cold? Yes, I'm too cold. Oh, il a pas froid. Are you hot? Yes, I'm too hot. Bravo! Are you cold? No, I'm all right. Non, c'est pas ça. Are you hot? No, I'm not. I'm too cold. Parfait. Oui. Plus t'es le journaliste infernal. Insupportable, ce journaliste de mort, alors. Très bien. Hot and cool travel. Oh putain, c'est parti. Yes. C'est parti pour le fun. Hey, Shirley. Come here. Come and see something fantastic. What is it? What is it? What is it? It's a magic book. Magic book? Yes. Wow. And this book is magic. Wow. Incroyable. And travel in it. Oh, I'm so excited. Oh, I'm excited too. Trop bien, on peut travailler, on peut voyager dans le livre. One moment. Oh mon dieu. Close your eyes. On ferme les yeux, ok? Concentrate. Ouais. Ouais, je suis concentré, mon gars. Fantastic. Magic book. Let us in. And have a look. Incroyable. Vous avez vu, on s'est TP. Waouh, c'était fou. Quelle expérience folle j'ai vécue avec Adi. Beautiful. J'ai bien fait de fermer les yeux. There's ice everywhere. C'était dingue. Beautiful. Putain, on est au pôle Nord. It's cold. Est-ce que tu as froid, Shirley? Yes, I am. Very cold. Well, of course, Shirley. You haven't got a jumper on. No, I haven't. I haven't got a hat. Oh. Or trousers. All I've got is this dress. Ah, moi aussi, j'ai froid. I am cold too. Viens, on s'en va. Okay. Wow. No problem. Magic book. Let us run. Ah, faut courir, très bien. Run. Je vais pas le faire, ça. Désolé, je ne vais pas le faire. All the way to the shining sun. Wow. Hey, hey, hey. Are you happy now? But it is hot. Ah,
rajoute. Elle est insupportable. Elle est insupportable. Yes, I am. The sand. It's very hot. Well, of course it is, Shirley. Look. You've only got socks on. And no shoes. There's sand in my socks. Well, let's go. Elle a du sable dans le vagin, ouais, elle est insupportable. Let's insupportable, leave this hot land and go back to England. Wow. Incroyable. Bah dis donc, Shirley, t'as l'air énervé. Bah alors, Shirley, pourquoi t'es fâché? Oh. Oh, you can take your magic sand and put it in your magic book. Ah, my friend, aren't you hungry? It's time for afternoon tea. I have prepared chocolate bars. Putain, non mais il faut qu'il se calme avec son chocolat, lui. Toutes deux secondes, il arrête, tu veux du chocolat? Cette question est effrayant, ce robot, un peu bizarre. Tu es en pleine forme. Je sais, merci. Allez, c'est reparti. Dire ce que l'on ressent. Révision des vêtements. Ok. Range dans la valise le vêtement que l'on te demande. Pas de soucis. Put the skirt in the suitcase. Pardon ? Put quoi ? Je crois que ça devait être skirt. Ça devait être ça. Yes. Put the yellow pair of trousers in the suitcase. D'accord. Oh, il commence à préciser de quelle couleur ils sont. Attention. Put the jumper in the suitcase. C'est juste. Put the pair of socks in the suitcase. En plein dans le mille. Put the pair of shoes in the suitcase. Paf. Correct. Yes. Super. Non, 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 continue. Non, tu t'arrêtes pas, Il n'y a pas le temps de s'arrêter. La sonorité de la voyelle. Écoute bien ces deux mots. Le son des voyelles est-il le même? Si oui, clique sur Yes. Sinon, clique sur No. 5. Bike. Ah, le son des voyelles est-il le même? 5 et bike. Bah oui, c'est le même. Utilise le curseur pour... En plein dans le bien. Ok. J'ai compris. Ah non, c'est pas le même. Très bien. Plane. 9. Non, il y a A et I. Bravo! Old. Cold. Yes. Correct. Doll. Sock. Oui, c'est pareil. Bien. Yes. Incroyable. Sentiments et sensations. Clique la phrase qui correspond à ce que ressent le personnage. Il a l'air content. He is happy. Oui. Tu as compris. She's thirsty. She's happy. She's sad. Elle est triste. Excellent. Lui il a soif. He's cold. He is hot. He's thirsty. Thirsty. En plein dans le mille. He's happy. He's sad. Ouais. Il est même plus que triste. He's sad. He's cold. Oui, il a froid. Excellent. Et voilà, l'exercice est fini. Est-ce que c'est encore une fois exactement le même qu'avant? On continue. Ouais, t'as une cool. Ok. Les gens, on va passer. What is it? Je suis excité. I am excited too. One. Elle était dans le froid, donc c'était Are you cold? Ensuite. I am hot too. Non, ensuite. I am cold too. J'ai froid aussi, très bien. Ensuite, on est dans le désert, donc elle a trop chaud. Tout à fait. Ensuite, elle est fâchée. Mais heureusement, il y a l'autre qui ramène des chocolats et c'est la fin. Très bien. Cette question était la dernière. Parfait. Non, mais parce que. Un film, ça suffit.
On va pas se le faire deux fois non plus. C'est super. Tu as entièrement... Parfait. C'est bon, il a mis 1000 ans avant de passer à autre chose. On va passer à parler des autres dans le prochain épisode YouTube. On se retrouve très vite. Des bisous.